Qui c'est ce Ricky Matisse au fait? J'en sais rien du tout, mais ses fans ont l'air de drôlement l'aimer en tout cas. Son CD se vend comme des petits pains. Dis Sammy, je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr, après tout, t'es ma meilleure amie. Et ben moi alors? Non mais enfin tu délires Alex, si on se mettait à deux dans le pull de Sammy, tu imagines dans quel état il serait ensuite? Non Clover, je voulais dire, est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Clover, qu'est-ce que t'as, ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, oh. Je m'appelle Clover. Je rêve où Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes. Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover! Oh. Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolé. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, eh bien, aucune importance, je voulais seulement lui rendre service, il connaît pas grand monde dans le coin. Clover! Faut pas t'en faire, Clover, moi je te l'offrirai ton cappuccino après les cours. Oh, et puis, tu trouves pas ça plus amusant de traîner avec nous plutôt qu'avec un musicien sans intérêt? Ouais, t'as raison. Seulement, je peux pas m'empêcher d'aimer Damon. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. Bonjour, c'est vraiment gentil à vous de faire un saut, les filles. Un saut? Oui, ça vous pouvez le dire. Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD. Très pompeusement intitulé La Légende du Rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde. Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Matisse et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. Vous voulez dire qu'on va faire partie d'un vrai groupe? Oh là, un vrai faux groupe, un faux... Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. Il se précipitera dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves. Et il me trouvera totalement irrésistible. Maintenant, il faut se trouver un nom. Inutile de chercher les filles, nous vous en avons déjà trouvé un. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Vous avez vu ces instruments comme ils sont sympas? 1, 2, 3, et... C'est peut-être pas le moment idéal pour répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets.
Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra-sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le ProSulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le ProSulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comme on dit dans le showbiz, je croise les doigts. Effectivement, ce Ricky Matisse semble très célèbre. Paddy! Oh, je suis impatiente de raconter ça à Damon. Ça va drôlement l'impressionner. Ça lui arrive de penser à autre chose. Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux, raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spice, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Bah si, d'ailleurs je joue très bien de la guitare. Ah dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Je te tiens au courant, salut. Je suppose que vous êtes les espionnes. Les espionnes? Oui, c'est nous, Baba, qui vous a dit qu'on était des espionnes? Nous sommes les Spies. Nous sommes des rockeuses. Mon nom est Phil Jenkins. Je suis le manager de la tournée. Ricky a hâte de vous rencontrer. Ça vous dirait de monter le voir dans son appartement privé? Super morceau. Merci, je viens de la terminer. Nous devons enregistrer la nouvelle chanson de Ricky demain matin. Je suis sûr que ça va être son prochain tube. Nous en sommes persuadés. C'est un honneur pour nous de faire une tournée avec un musicien aussi talentueux. C'est réciproque, vous savez. J'ai adoré vos premières chansons. Nos premières chansons? Eh, vous devriez venir faire un tour au studio d'enregistrement. Ça va cartonner. Désolé, Ricky, tes séances sont strictement interdites aux visiteurs. Oh, ça va être chouette. On adorerait y assister. Manquait plus que ça. Il faut y aller. Nous ne devons pas faire attendre les fans. Oups. C'est bizarre. Un CD fluo, vous avez déjà vu ça? Bah, à part le fait qu'il a des fans totalement délirants et un CD fluo, Ricky Matisse me paraît parfaitement normal. Eh ben, va falloir y aller. Tu es prête, Clover? Clover? Clover, t'es pas censée écouter de la musique, tu es censée faire de la musique. Et j'ai pris le CD de Ricky comme pièce à conviction, c'est tout. Quel dommage, j'étais en train de m'éclater, je dois dire qu'il est irrésistible. Surtout parce qu'on est en playback. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aucune de nous ne chante et nos guitares ne sont même pas raccordées aux amplis. À mon avis, ils vont pas en redemander. Pas mal ce playback. J'ai mis longtemps à y arriver, moi. Tu chantes pas en direct, Ricky? Je préférerais le faire, mais Phil exige que je chante en playback. Que voulez-vous, si c'est le prix du succès? Quand je pense que tu croyais que c'était un chanteur normal, ils chantent même pas en direct. Il n'y a pas que ça qui ne soit pas normal. Regardez, les filles. Si on allait jeter un petit coup d'œil là-haut. Excellente idée. Clover, tu viens? Non mais vous rigolez, j'ai une vue d'enfer de là où je suis. Elle est encore amoureuse d'un musicien. Oui, oui, monsieur Sébastien, tout est prêt pour la séance d'enregistrement de demain. J'ai préparé les paroles spéciales. Le seul problème, c'est que Ricky a invité le groupe Les Spies à la séance. Il va falloir renforcer la sécurité. Hey! Hey, les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas le concert? Hey! Je crois que je suis devenue sourde! J'ai fait totalement insonoriser la cabine. Le bruit finit par me donner la migraine. Je préfère simplement regarder. Bon, récapitulons.
Les fans de Ricky sont cinglés, son CD est fluo, ils ne chantent pas en direct et son manager suit les concerts depuis une cabine insonorisée. Ça devient inquiétant. Qu'est-ce que t'en penses, Clover? Je trouve que Ricky est incroyable. C'est vrai, il a un talent dingue. Je pourrais l'écouter chanter toute la nuit. Je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Bonsoir les filles, j'espère que la célébrité ne vous monte pas à la tête. Jusque-là, ça peut aller, mais si on continue à recevoir des roses, ça pourrait bien changer. Oh, les roses, oui. Elles ont été envoyées par un certain Damon Reynolds. Hé, Clover, les fleurs sont pour toi, elles viennent de Damon. Quelle importance. Maintenant que j'ai rencontré Ricky, je me fiche complètement de Damon. Oh, j'en reviens pas. Un vrai cœur d'artichaut, ma parole. J'ai jamais vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, Jerry, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur Sébastien? Je sais qu'il est propriétaire de la maison de disques de Ricky. Il paraît aussi qu'il fut un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts. Aujourd'hui, il s'est reconverti en producteur excentrique et il vit en ermite sur une île au large de Braswella. Ricky! Cette chose bizarre accrochée au yacht. On dirait une parabole géante. D'après Ricky, ce serait pour enregistrer le concert en direct. C'est bizarre. Depuis quand il faut des gardes pour surveiller une parabole? C'est certainement le studio d'enregistrement le plus glauque que j'ai jamais vu. C'était excellent, Ricky. Oh oui, c'était génial. Ricky, que dirais-tu de te concentrer sur les paroles maintenant? Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson... un peu trop agressives? Où sont celles que j'avais écrites? Ricky, fais-moi confiance, je sais ce qui marche. Ces nouvelles paroles donneront à ta chanson ce côté branché et percutant qui fascine les ados. Alors là, il y a aucun doute, je dois dire que dans le genre paroles spéciales, il est difficile de faire mieux. Toutes les paroles des chansons de Ricky sont trop spéciales. On devrait peut-être en profiter pour aller espionner un peu, les filles. Je te quitte pas d'une semelle. J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Le laboratoire secret se trouve quelque part dans le coin. Bien joué, Alex. Ouais, je suis assez fière. Le nouveau single de Ricky est terminé. C'est parfait. La fréquence a été ajoutée sans problème. Très bien. Maintenant, vérifions les effets produits. Celui qui a une main en ferraille, c'est sans doute Sébastien. C'est vrai qu'avec ce truc, il doit plus pouvoir jouer beaucoup de guitare. Asseyez-vous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson. Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées. Je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution, vous l'accomplirez. Le monde m'appartiendra et vous m'obéirez. C'est bon, disparaissez. Tu es Ricky, maître de mes pensées. Tu sèmes le chaos et je te suivrai. T'as vu ça? On dirait que la chanson de Ricky a hypnotisé ce type, c'est bizarre. La fréquence dont il parle est sûrement un truc subliminal pour contrôler les cerveaux. Ça expliquerait pourquoi Clover a une attitude aussi bizarre. Hein? Réfléchis une seconde. Le premier succès de Ricky, la légende du rock, parle de l'adulation que doivent susciter les stars du rock. Et que se passe-t-il? Ceux qui l'écoutent suivent les ordres qu'on leur donne. Ils obéissent aux paroles qu'ils entendent sur le disque. Alors ça veut dire que lorsque Ricky commencera son spectacle, ses fans feront tout ce Sécurité! Il y a des intrus, faites vite! Super, ce gadget! C'était quoi, un canon propulseur portable à huile? Tu es Ricky, maître de mes pensées. Vite! Descendons en rappel!
Pascal. Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Jerry. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de lui dire ce que vous savez. Dans environ 20 secondes, vous n'aurez plus qu'une seule chose en tête. Aduler ce cher Ricky Mathis. Et ce soir, vous vous ficherez comme de vos premiers biberons que je brouille les signaux radio, télé et internet de toute la planète et que je devienne ainsi le maître du monde avec mes esclaves fraîchement hypnotisés car voyez-vous, vous en ferez également partie. Alors profitez bien de vos derniers instants de liberté. Génial, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà ce qu'il nous faut pour sortir de là. Non, pas comme ça. Waouh, ce ProSub Fur est une machine géniale. ProSub quoi? Recommence pas avec ça. Allons au concert avant qu'il ne soit trop tard. Je commence à en avoir marre de cette eau salée. J'ai les cheveux qui frisent. Psst, Ricky! Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis, Phil et Sébastien, ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Oh, Alex, explique-lui. Moi, il faut que j'aille voir cette parabole. Accélère, il est l'heure d'aller assister au spectacle. Maintenant, je m'y prends comment pour empêcher l'émission? Sébastien a prévu d'utiliser ma musique pour être à la tête du gouvernement? En fait, il a prévu de l'utiliser pour devenir le maître du monde. T'entends ce que je te dis ou non? Oh. Le voilà! Où est Ricky? Il devrait avoir commencé. Il va bientôt y avoir une émeute. On ne peut plus attendre. Je fais partir le playback. Ricky, tu es Ricky, le maître de nos pensées. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est de grimper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit. Il est grand temps de se débarrasser de ces espionnes une bonne fois pour toutes. Que se passe-t-il encore? Je ne sais pas comment, mais on a dû capter le signal de l'enregistrement de Ricky. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Éteins les moniteurs, vite! Non, je ne peux pas faire ça. La musique de Ricky est trop merveilleuse. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Détendez-vous, les filles, on prend le relais. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître. Merci. Merci, Jerry. Il était temps que vous arriviez. Ces deux affreux criminels étaient sur le point de demander à Ricky de signer leur t-shirt du concert. Comment
Comment j'ai pu craquer pour Ricky Matisse? Oh, c'est vraiment la honte. Je sais pas quoi dire. Ne culpabilise pas. C'est pas ta faute, t'étais plus toi-même. Ouais, encore heureux que les effets de la chanson soient dissipés et que t'aies perdu ton côté groupie. Hey, Clover, tu es revenue. Est-ce que tu as reçu mes fleurs? Ouais, je les ai reçues. Tu vois, je me disais que ça serait pas une mauvaise idée de se donner rendez-vous pour que tu me parles de ta tournée avec Ricky Matisse. Désolée, Damon. Après avoir vécu cette expérience, je crois que j'en ai fini avec les musiciens. Je suis si fière de toi, Clover. Ouais, tu as enfin retrouvé le sens des réalités. Je viens de décider que c'était totalement nul de craquer pour un garçon juste parce qu'il joue de la guitare. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle de musique? Je suis nouveau et... enfin, je suis un peu perdu. Je serais ravie de te montrer où elle se trouve. On dirait qu'elle est prête à remettre ça avec les musiciens. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, ça ne lui est pas passé. D'ailleurs, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, tu pourrais m'offrir un cappuccino et je te ferai découvrir le lycée. Avec ma nouvelle campagne vidéo, je suis certaine d'être élue reine du lycée. Choisissez Clover pour reine. Elle vous promet de ne pas être une peigne. Brillante idée, non? Ouais, c'est génial, Clover. Ouais, génial. Enfin, disons que c'est une façon de parler. Mesdemoiselles, c'est à moi de jouer. Clover est dans les choux. C'est Mandy qui est dans le coup. Choisissez Mandy pour reine. Votez pour elle. Ouais. Oh, remets-toi, Clover. T'as fait ton mieux. Et puis, je suis certaine que tu n'avais aucune chance d'être élue reine à la fête annuelle de notre lycée. Surtout depuis que j'ai réussi à mettre dans ma poche l'équipe de football au grand complet. Laquelle? L'amateur ou la pro? Les deux. Très impressionnant. Je trouve aussi. Alors tu vois, Clover, à ta place, moi je laisserai tomber et je m'épargnerai l'humiliation de me faire battre à l'unanimité par le lycée tout entier. Au revoir. J'ai l'impression qu'il va te falloir une campagne d'enfer si tu veux battre Mandy. Non mais tu plaisantes, je la battrai même avec un sac poubelle sur la tête. Hey Clover, j'ai entendu votre conversation et je crois que je peux t'aider à organiser ta campagne. Déjà, je peux t'assurer le vote de tous les intellos du lycée. Et il y en a beaucoup plus que tu ne crois. Merci, mais non merci, l'intello. Je m'occuperai de ma campagne sans toi. En avant, les filles. Je vais avoir besoin de votre aide.
ça veut dire que Jerry nous offre une petite croisière surprise. Je suis prête à lui pardonner d'avoir ruiné nos vêtements. Vous n'aurez pas cette chance. Ce navire fait route vers la Lirobi, en Afrique du Nord, où Tassara, la reine de ce pays, vient d'échapper de justesse à un enlèvement peu ordinaire. Nous supposons qu'il s'agit d'une machination d'un pays ennemi voisin, le Kenyopia, contre lequel la Lirobi est en guerre depuis 20 ans. Qu'entendez-vous par une tentative d'enlèvement peu ordinaire? Il semblerait que les kidnappeurs se soient servis d'une sorte de machine antigravitationnelle pour aspirer littéralement la reine hors de son palais. Cool! Je veux dire que c'est terrible, terriblement terrible! Exact. Voilà pourquoi je vous charge de protéger Sa Majesté. Nous ne souhaitons pas que le conflit actuel s'intensifie et se propage dans d'autres pays d'Afrique. Génial! Comment je vais préparer mon élection si je me retrouve coincée en Afrique? Maintenant, passons aux gadgets. Vous allez chacune recevoir des lunettes de soleil infrarouges à détecteur de mouvement puissance 6000, des capsules d'eau indispensables pour vous réhydrater, des bracelets magnétiques à haute sensibilité. Des micros miniaturisés et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les clés d'un tout nouveau véhicule perse. Un tout nouveau véhicule quoi? Véhicule perse, un véhicule tout-terrain perceur de tunnels. Vous le trouverez lorsque vous arriverez au palais. Ne rayez pas la carrosserie, il vient d'être repeint. Et comment arriverons-nous au palais? Bon voyage. Oh, cette carte est complètement inutile. Tout ce que je vois, c'est du sable et encore du sable. On a intérêt à se retrouver en pays civilisé vite fait parce qu'avec cette chaleur, la peau de mon visage est toute desséchée. Il me faut un masque hydratant sur le champ. Maintenant, c'est clair, ce pays est un désert et ma vie aussi, je suis désespérée. C'est l'horreur totale. Jamais mes rêves de devenir reine ne pourront se réaliser. Dommage que tu n'aies personne au lycée pour s'occuper de ta campagne à ta place, Clover. Ça y est. Quoi, ça y est? Arnold, c'est Clover au téléphone. Tu sais, ta meilleure amie. J'ai dû m'absenter et je me demandais si ta proposition pour organiser ma campagne tenait toujours. Évidemment, Clover. Tu le feras? Ah, c'est super! Dans les baleines voleront! Espèce de méchante fille! Je t'en prie, Arnold, c'était pas ma faute! J'avais mangé un sushi pas frais, c'est pour ça que j'ai pas été gentille! D'accord, je veux bien t'aider. Mais à une seule condition. Tout ce que tu voudras, Arnold, tu n'as qu'à parler. Quand tu reviendras, je veux que tu sois ma petite amie pendant une semaine entière! Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'un déjeuner en tête à tête plutôt? Pas question! Très bien, alors ça marche, mais seulement pendant une journée et seulement si je gagne. Ne t'en fais pas, je sais que tu vas gagner. Fais-moi confiance. On dirait que les choses s'arrangent un peu. À mon avis, il est grand temps d'appeler Jerry pour qu'il nous dise comment faire pour quitter ce désert. Ou alors, demandons notre chemin aux habitants de cette jolie maisonnette là-bas. Regardez. Ce n'est pas une maisonnette, c'est le palais. Attention les filles, tenez-vous bien. N'oubliez pas que nous allons être reçus par une vraie reine. Soyez les bienvenus en Lirobi. Je suis la reine Tassara et voici ma sœur Makeda. Je présume que vous avez été informée de cette tentative d'enlèvement. Dans le mille. Je veux dire, en effet, Jerry nous a tout raconté et c'est réellement terrifiant. Votre Altesse. Surtout si l'on prend en considération que le roi de Kenyopia et moi devons nous rencontrer à Genève pour signer un traité de paix. Le destin de nos deux nations dépend de ma sécurité. Eh bien, le meilleur moyen de protéger son excellence serait de le mettre... Je veux dire, de la mettre en lieu sûr. Très juste. Malheureusement, il va y avoir une grande réception au palais ce soir et je me vois dans l'obligation d'y assister. Eh bien, dans ce cas, nous ferions mieux d'avoir un plan. Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais je dois m'entretenir avec Makeda au sujet des réjouissances de ce soir. Oh, aucun problème. Veuillez nous excuser, Majesté. Je ne saurais vous dire combien notre peuple vous est reconnaissant de votre protection. Merci. Auriez-vous l'amabilité de nous montrer le lieu de la tentative d'enlèvement? En dehors d'un lit en or massif, je vois rien d'inhabituel ici. T'as pas vu le sol? Il est vraiment très sale, sans vouloir offenser votre Altesse. C'est ici que j'ai atterri quand Hakim m'a arraché au rayon antigravitationnel. Je vais en envoyer tout de suite un échantillon à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Maintenant, pour la réception de ce soir, je crois que l'une de nous devrait se faire passer pour Tassara, tandis que les deux autres déguisées en servantes seraient là pour déjouer les tentatives d'enlèvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une idée géniale, Sam. Et bien sûr, c'est moi qui jouerai la reine. À présent que je suis une vraie reine, disons une fausse vraie reine, je me fiche pas mal de devenir une stupide reine à la fête du lycée. Oh, je me demande quel sera mon premier devoir de reine.
Oh oui, je sais. Je vais m'acheter une garde-robe royale. Clover, tu ne crois pas que c'est à ta Sarah de décider quels seront tes devoirs royaux? Ah bah dis donc, moi qui pensais qu'être reine ce serait une fonction amusante. C'est une vraie galère. Puis-je faire quelque chose pour vous, Majesté? Oui, vous pouvez me débarrasser de cette corvée de présentation rébarbative et m'emmener me déhancher sur la piste. Et venez, je veux que vous dansiez avec moi. Très très amusant, votre Altesse Royale, mais vous savez pourtant qu'il est du devoir de Sa Majesté d'accueillir ses hôtes. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de danser. Je vous ordonne de m'obéir, Hakim. Makeda. Makeda, est-ce que ça va? Je crois que toute l'excitation causée par cette soirée a eu raison de mes nerfs. Peut-être devriez-vous aller vous allonger. Bonne idée. C'était terriblement éprouvant. Ne vous inquiétez pas, Majesté, tout va bien se passer. Et si c'était les kidnappeurs? Je vais aller faire mon enquête. Cachez-vous derrière ce rideau, Majesté. Je ne vois rien du tout, mais par contre, il y a une odeur dans l'air. J'ai l'impression que c'était pas l'endroit rêvé pour recharger mon poudrier. Il ne s'agit que d'un fusible grillé. Heureusement que ce n'était pas les kidnappeurs. Posez-la tout de suite. Vous n'êtes pas blessée? Non, je vais bien. J'aimerais pouvoir en dire aux tantes Clover. Makeda a été enlevée, elle aussi. Je l'ai cherchée partout et elle n'est nulle part. J'ai déjà vu ces traces-là quelque part. Voyons si Jerry a quelques infos à nous transmettre. Bonsoir, les filles. Comment se déroule la mission? Super bien, Jerry. La Lirovie est un pays passionnant. Oui, enfin, mis à part l'enlèvement de la sœur de la reine et de Clover... Comment enlever? Auriez-vous quelques infos sur l'échantillon que je vous ai envoyé? Ça devrait pouvoir nous aider à les retrouver. Oui, en fait, ces résidus sembleraient être une sorte de composant magnétique n'existant que sur des astéroïdes dans l'espace intersidéral. Des astéroïdes? C'est étrange. Et à Tristan? C'est vrai, pensez à la pauvre Clover, elle déteste l'espace intersidéral et en astronomie, elle est la dernière de la classe. Je me demande si cela n'aurait pas un rapport avec le cratère d'astéroïdes dans le nord de la Lirobie. Oh, nous ne le saurons qu'une fois là-bas. Allons-y, Alex. Attends, et qu'est-ce qu'on fait de la reine Tassara? Je viens avec vous. Je dois retrouver Makeda, je me sens si responsable. Ce n'est pas une très bonne idée, cela peut devenir un peu trop dangereux. On ne peut pas dire qu'ici je sois en sécurité. Bien vu. N'est pas si mal quand on n'est pas obligé de le traverser sur un vieux chameau qui empeste. Oublie ce que j'ai dit, le désert c'est l'horreur, quelle que soit la façon de traverser. Attention, parez à plonger. Ce n'est pas la reine, bande d'incapables. Vous vous êtes trompés de fille. Retournez chercher la reine Tassara et ramenez-la moi sur le champ. Qu'allons-nous faire de celle-ci? Je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. Envoyez-la en Sibérie. Nous y sommes. C'est un changement de décor ahurissant. S'il y a un signe quelconque d'activité avec ses lunettes, nous devrions vite le découvrir. Il y a quelque chose de l'autre côté du cratère. Ça vient vers nous? Ce sont peut-être les kidnappeurs. Personnellement, je n'y vois rien du tout. Ah !
finalement, tu l'as eu ton masque hydratant. Regardez, c'est sûrement là. Il ne manque plus qu'un panneau indiquant « Les méchants se cachent ici ». Hé, ça ressemble à la poussière trouvée dans la chambre de Tassara. Allons vérifier. Annulez les recherches. Ces idiotes ont eu l'extrême gentillesse de nous livrer la reine à domicile. Non, bah j'ai dû me tromper. Personne ne semble avoir mis les pieds ici depuis au moins une centaine d'années. Ah, hey, Clover ! Sais-tu où est Makeda ? Je vais très bien, merci de me poser la question. Et non, je ne sais pas où est Makeda, je n'ai rien vu d'autre que l'intérieur de cette caisse. Je suis là. Oh, Makeda, tout va bien ? Oui, malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour vous. Mais pourquoi ? C'est un enlèvement, et cette fois, c'est la bonne. Mais enfin, pourquoi ? Il nous fallait à tout prix t'empêcher de te rendre à Genève pour signer ce traité. Tu comprends, si la guerre se termine, je serai dans l'incapacité de vendre mes canons antigravitationnels au général du Kenyopia. Je trouve ça hallucinant, pourquoi vouloir vendre des armes à l'ennemi ? C'est très simple à expliquer. J'ai conclu un marché. Quand le Kenyopia sortira vainqueur de la guerre, moi, je me retrouverai reine des deux pays. À présent, je me rends de ce pas à l'usine d'armement de Lirobi où je dois signer l'accord avec le général du Kenyopia. Tu n'as plus le choix. C'est le moment pour toi de me passer la couronne. Mais que comptes-tu faire de nous ? Tu ne vas pas nous laisser flotter ici pour l'éternité ? Ne t'en fais pas, petite sœur. Vous n'allez pas flotter bien longtemps. Dans quelques minutes, tout va exploser. Bon voyage, mesdemoiselles ! Génial ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Nous devons rompre le champ de gravité. Et t'as une idée de la façon de procéder ? Nous n'avons plus rien pour nous aider en dehors de ces stupides bracelets qui, je me permets de le préciser, sont démodés. Alex, tu es un vrai génie. C'est vrai ? Je veux dire, oui, bien sûr. Pourquoi je suis un génie, au fait ? Vite, dépêchez-vous, les filles, enclenchez vos bracelets. Des amateurs pour une course à pied ? Je déclare la peau de mon visage suffisamment réhydratée. Arrête de faire de l'humour, Alex. Nous devons nous rendre immédiatement à l'usine d'armement. Elle est cachée dans les monts Kililéa. Je peux vous y conduire. Voilà l'entrée. Exactement où Tassara nous l'a dit. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est probablement ici que les scientifiques de Makeda fabriquent les canons antigravitationnels. Regardez ! C'est Makeda, le général ! C'est un générateur de tremblements de terre ultra sensible, petite idiote. Oui, mais c'est ça, bien sûr. Et vous croyez que je vais vous croire ? Arrêtons-les, il ne faut surtout pas qu'ils nous échappent. Pas de panique, on est là.
Excellent travail, les filles. Plus tard, les félicitations, Jerry. Il faut tout de suite emmener Tassara à la conférence de paix à Genève. Oh, quel bonheur d'être de retour. Dites-moi, c'est une impression ou bien c'était vraiment notre pire mission? Notre pire mission? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, grâce à notre aide, une guerre de 20 ans a pris fin. Quoi qu'il en soit, être reine ne représente pas que des avantages. Hé hey oh, vous voyez ce que je vois? Votez pour Clover. Quelque chose me dit qu'Arnold a travaillé jour et nuit. Ah, Clover, enfin te voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Le résultat de l'élection de la reine du lycée pour cette année n'est autre que Clover. J'arrive pas à y croire, j'ai perdu. Je n'arrive pas à y croire, j'ai gagné. C'est extraordinaire. Je croyais que tu en avais assez de toutes ces histoires de reines. Non, mais tu plaisantes. C'est tout simplement le plus beau jour de ma vie. Je promets de faire de vous mes fidèles servantes. Je veux dire mes conseillères. Toutes mes félicitations, Clover. Et ça te dirait de sortir avec moi? Ce sera un véritable honneur. Alors ça, oui, avec plaisir. On peut dire que l'honneur est fait. Pas si vite, Clover, pas si vite. Rappelle-toi ta promesse, ma chérie. Tu es ma petite amie. En tout cas, pour aujourd'hui. Chaque reine, il faut un roi. On serait plutôt des babysitters pour chèvres. Moi qui croyais que la vie d'espionne serait une vie exaltante, c'est pas vraiment le cas. Où sont passées les missions palpitantes dans des contrées exotiques? Au moins, on sera prête pour notre expédition en snowboard ce week-end. Ouais, que diriez-vous de laisser tomber Jerry et ses missions ennuyeuses pour nous concentrer sur ce qu'il y a de plus important? Génial! Oh là là, c'est fabuleux! Oui, il est peut-être un petit peu trop collant pour faire du snowboard. D'abord, ça ne vous regarde pas la façon dont je m'habille. Allez, disparaissez. Top. Allez. Oh.
Alex, j'ai remarqué que vos notes avaient chuté. Alors un professeur du WOOP vous donnera des cours de rattrapage chaque jour après le lycée. Non, non, inutile de me remercier. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Attendez, ce travail d'espionne est franchement en train de tourner au ridicule. On n'arrive même pas à organiser notre week-end sans que Jerry nous tombe dessus. Oh, ne m'en parle pas, ce type devient vraiment très encombrant. Je crois que c'est le moment ou jamais de le lui faire comprendre. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ce monsieur sache qui nous sommes vraiment. À croire qu'il nous a entendus, c'est le moment ou jamais, on ne peut plus reculer. Dans notre vie privée. Ouais, et on veut plus être traités comme des gamines, hein. Est-ce que c'est bien fait comprendre? Tout à fait. Bonjour les filles, je suis Max Smith, le nouveau patron du WOOP. Vous êtes notre nouveau patron? Mais qu'est-il arrivé à Jerry? Jerry a décidé, après 35 ans de bons et loyaux services au WOOP, qu'il était grand temps pour lui de se mettre au golf. Il a pris sa retraite. C'est exact, les filles, j'ai bien pris ma retraite. Je ne suis pas inquiet pour autant, car je suis sûr que je vous laisse entre de bonnes mains. Et Mac va sûrement se montrer à la hauteur de la situation. Donc, ça veut dire qu'on ne vous reverra plus jamais, Jerry? Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. J'arrive pas à m'y faire. Jerry à la retraite? Quand je pense qu'hier encore, il nous tapait sur les nerfs parce qu'on l'avait sur le dos à longueur de journée, c'est fou. Nous aurons amplement le temps de faire connaissance, les filles. Pour l'instant, j'ai besoin de votre attention. J'ai une importante mission à vous confier. Génial! C'est lui qu'on va avoir sur le dos à longueur de journée à la place de Jerry. Et la première chose qu'il vous faut pour cette mission, c'est une carte de crédit à débit illimité et officielle du WOOP. Vous avez bien dit, carte de crédit illimitée? Oui, c'est exact. Le WOOP m'a confié quelques-unes de ces cartes ce matin. Votre première mission sera de faire du shopping aux frais de l'organisation. Je vous recommande certains grands magasins qui vous feront tourner la tête à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe pour les gadgets? Jerry nous donnait toujours des gadgets. Très bien. Voici un parasol arbalète, un sac à dos jet propulseur, une montre scanner digitale, une bombe de lac tornade et un tube de lotion solaire paralysante. Bon voyage! Je vote pour Mac. Oh, c'est le meilleur. Il est totalement génial. Je suis d'accord avec toi, Clover. Il est très fort et tellement intelligent. Je vais appeler Jerry pour lui demander ce qu'il aimerait comme cadeau d'adieu. Allô, Jerry, c'est Alex. On voulait juste savoir ce qui vous ferait plaisir comme cadeau. Désolé, je ne peux plus rien pour vous. Je suis à la retraite. Mal poli avec ça. Aucune importance. Ouais, tant pis pour lui, ça nous fera faire des économies. Je me demande si je ne vais pas acheter un cadeau pour Mac. Après tout, un peu de générosité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Il est grand temps de passer à l'action. Et voilà le travail. C'était vraiment une carte de crédit éclair. On devrait retourner au WOOP pour dire à Max ce qui s'est passé. Joli costume. Hein? Eh bien, vous êtes déjà de retour? Oui, nous avons eu un léger problème avec la carte de crédit. Non pas qu'on n'ait pas apprécié de l'avoir eue en notre possession. Quoi? Est-ce qu'elle aurait été refusée? Non, elle nous a attaqués, on a bien failli être découpés en petits morceaux. C'est une chance qu'on soit sortis vivantes de ce magasin. Voilà, pour vous. Désolée, j'ai pas eu le temps de demander un paquet cadeau. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas sérieuse? On est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, malheureusement. Tout aussi sérieuse que la facture de 200 000 $ que le magasin va vous envoyer pour couvrir les dégâts. Bah, ça vous choque pas qu'on ait failli se faire hacher menu par une simple carte de crédit? Alex, Mac est un agent expérimenté. Il a probablement vécu tellement de situations dangereuses qu'aujourd'hui, rien ne peut l'émouvoir. Je suis désolé, les filles. Je me sens redevable envers vous.
Que diriez-vous d'un stage de plongée sur les falaises d'Acapulco? Ah non merci, on a eu notre dose d'aventure exotique pour la journée. Eh bien dans ce cas, le moins que je puisse faire, c'est de vous offrir de rentrer chez vous comme des stars. Prenez donc ma Titan Turbo 3000 XT, je viens de l'acheter. Je suis allé la chercher hier, elle a encore cette bonne odeur de voiture neuve. Bon bah si vous insistez. C'est totalement génial, non? Il est vraiment incroyable ce Mac. Je dirais là un cerveau, une élégance, un charme, une silhouette. Enfin bref, sa voiture est une vraie bombe. Elle pourrait même se conduire d'une main. Je vois pas l'utilité d'acheter des lunettes de soleil. Ce n'est pas une question d'utilité, Alex. C'est une question de mode. Waouh, effectivement, cette voiture est une vraie bombe. Je me demande bien ce qu'a pu causer ça. Je crois que la vraie question, c'est qui a pu causer ça. Bingo. Qu'est-ce que c'est? Une empreinte digitale. Une empreinte digitale appartenant à un criminel qui s'appelle Tim Scan. Ben dis donc, il a un casier judiciaire aussi long que la liste des petits copains de Clover. Je dirais presque aussi long. Oh oh. Il faut prévenir Mac. D'abord, on a eu droit à la carte de crédit tueuse et maintenant l'explosion. À mon avis, ce Tim veut sa peau. Tiens, c'est bizarre, il devrait répondre. Alors il faut rentrer au Whoop pour le prévenir. Facile à dire, et comment on fait pour y aller? Oui, au cas où tu l'aurais pas remarqué, notre bolide a explosé. Et bien sûr, on ne peut pas y aller par la route. Allons-y par les airs. Y a personne où il est passé? Ça, j'en sais rien, mais vous croyez pas qu'on devrait lui laisser un mot? Ah oui, qui dirait quoi? Cher Mac, nous vous informons que nous avons transformé votre carte de crédit en arme mortelle. Et de plus, qu'un malade mental a fait exploser votre voiture en 1000 morceaux. Et à part ça, quand est-ce qu'on se fait un déjeuner? Hé, les filles, regardez ça! C'est un schéma pour la construction de l'évapocanon. Et un dossier sur Tim Scan. Comme c'est bizarre! Pour quelle raison Mac aurait ces dossiers? J'en vois qu'une, il est au courant que Tim Scan le recherche. Attendez une seconde. Ça vient du fichier des employés du Whoop. C'est impossible, ça voudrait dire... Que Tim Scam aurait travaillé pour le Whoop. Selon ce dossier, il y a une vingtaine d'années, le Whoop l'aurait engagé à l'armement en tant que technicien. Mais ensuite, il aurait été renvoyé pour utilisation illégale de technologies secrètes. Quel escroc! On ferait mieux d'appeler Jerry. Il se souvient certainement de Tim Scam. Après tout, il a dû travailler ici au moins un demi-siècle. Jerry, on a besoin de votre aide, il y a un cinglé. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Il a un de ses toupets. Nous, on s'en fiche qu'il soit à la retraite. Il y a urgence, là. Et... Attendez un peu. Désolé, je ne peux plus rien pour vous, je suis à la retraite. Je le savais. C'est pas du direct. C'est une vidéo qui tourne en boucle. Une vidéo qui tourne en boucle? Mais pourquoi Jerry ferait-il ça? Lui ne le ferait pas. Il doit s'agir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme... Tim Scam. Restez où vous êtes. On devrait emprunter un de ses engins pour lui échapper. Je ramasse un PV chaque fois que je prends ma voiture. Et vous croyez peut-être que je sais piloter un de ses engins? Ça doit pas être bien compliqué à piloter. Qu'est-ce qui se passe? C'est antigravitationnel. Pas le temps de lire le mode d'emploi. Ça ne servait à rien. Oh!
tomber encore. Canon d'un système de guidage de missiles. On est drôlement heureuse que ce soit vous et pas ce malade de Team Scam. Ah ouais, il nous a pourchassés à travers tout le Whoop, mais en fait c'est après vous qu'il en a. Restez calmes les filles, est-ce que par hasard vous avez toujours cette lotion solaire paralysante sur vous? Oui, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce Team Scam? Vous aviez remarqué que votre nom à l'envers ça donne Team Scam? Hein? Tiens, c'est une drôle de coïncidence. Vous êtes Team Scam. Quel bonheur de vous voir. J'ai eu tellement peur que Team Scam vous retrouve le premier. Inutile de courir. Que quelqu'un appelle les urgences, ils me font un massage de tout le corps dans la seconde qui suit. Ouais, bah t'es pas la seule. Où est passé ce Max Smith ou Team Scam, enfin, quel que soit son nom, il est où? On s'en moque pour l'instant, mais d'abord, où est-ce qu'on est? On profite du voyage et on se détend, les filles. Pourquoi nous avoir amenés ici? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? C'est très simple, je vais l'utiliser pour procéder à l'évaporation totale de l'eau sur Terre sans prendre de risques puisque je serai dans mon navire spatial. On savait déjà que vous étiez à moitié psychopathe, mais là, vous avez battu tous les records. Trop aimable. On a lu tout votre dossier au Whoop et votre passé de criminel est plutôt chargé. Le Whoop n'a jamais su m'apprécier à ma juste valeur ni reconnaître le génie qui est en moi. Lâche cet argent, Tim, tu es cerné. Je pense que je vous trouvais irrésistible. Vous aviez tellement d'élégance. Mais en fait, vous êtes un irresponsable et banal petit terroriste. Et c'est vraiment fini entre nous. Oui, et vous pouvez tirer un trait sur vos plans d'escrocs. Parce que maintenant, c'est à nous que vous allez avoir affaire. D'accord, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous croisez Jerry sur votre route, passez-lui le bonjour. Cette fois, je plante à me servir de l'évapocanon à bon escient. Déjà commencé. Il faut absolument l'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire par passer le bonjour à Jerry? Jerry! Tout s'explique maintenant. Team Scan a expédié Jerry dans l'espace pour prendre sa place et pirater les ressources du Whoop. Il faut récupérer Jerry avant qu'il soit à court d'oxygène. Mais comment on va faire pour le rattraper? Je crois que j'ai une idée. Génial! Mais c'est quoi ton idée? Je vais utiliser la lactornade pour nous donner un coup d'accélération. Excusez-moi, je crois que j'ai dû la tourner dans le mauvais sens. Ici, on a capturé la capsule de Jerry. T'as plus qu'à nous ramener au vaisseau mère. Encore heureux qu'on soit en gravité zéro dans l'espace, surtout pour Jerry.
petit effort, Jerry. Il vous reste encore quelques belles années devant vous. Jerry va très bien s'en remettre. Allez, suivez-moi. Oh. Et bah où il est? Quand je vois toute cette eau, je pense qu'il ne doit pas être bien loin. Il faut qu'on récupère l'évapocanon pour envoyer cette eau sur Terre. Ah, il est ici avec moi. C'est super, pour une fois que j'ai oublié de prendre ma crème hydratante. Hein? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Jerry! Vous ne vous souvenez pas? Croyez que cette arme était votre meilleur gadget. Un petit rafraîchissement liquide ne vous ferait pas de mal. Qu'est-ce que j'entends? On m'a traité de quoi? On n'a pas le temps de vous expliquer. Il faut renvoyer l'eau sur Terre immédiatement. Faites-moi sortir de là! Les filles, on a peut-être loupé notre week-end de snowboard, mais on a sauvé le monde. Et on a sauvé Jerry. Oh, j'aurais jamais cru que j'en arriverais là. C'est difficile à admettre, mais il commençait presque à me manquer, ce vieux. Je veux dire, cet adorable senior. Bonsoir, les filles. Je ne fais que passer, mais je voulais vous remercier officiellement de m'avoir sauvé la vie. Aucun problème, Jerry. Après tout, vous avez aussi sauvé la nôtre. Néanmoins, je tenais à vous prouver toute ma gratitude. Alors, j'ai décidé de vous offrir des vacances surprises et de vous envoyer skier à Saint-Moritz. Oh, merci! C'est formidable! Génial! Mais tout d'abord, j'ai une mission à vous confier. Vous allez entraîner la brigade canine du groupe dans sa totalité. Cela, évidemment, après avoir fini vos devoirs, rangez vos chambres, trier quelques dossiers et puis éventuellement... Ça va recommencer, Jerry! Affirme que ce volcan n'est plus en activité. Mais je ne sais pas, tout ceci est étrange. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, le volcan entre en éruption! Ah! Mes douceurs dans des postures plus gracieuses. Après ce que nous venons de vivre, les cours vont ressembler à de véritables vacances. Oh, en plus, demain soir, c'est le grand bal du lycée. J'ai tellement besoin de décompresser. Vous relâchez pas trop vite, les filles. La compète d'athlétisme a lieu cet après-midi. Et quand je vois dans quelle forme vous êtes, je me félicite de ne pas faire partie de votre équipe. Ah, zut, on avait oublié la compète d'athlétisme. Thank you.
puisse encore bouger demain. J'espère que le bal nous fera oublier le massacre de la compète d'athlétisme. Oh, rien que de m'imaginer en train de danser, ça me donne mal aux pieds. Bon, essayons de nous détendre. Oh ouais. Et quelle détente. Merci d'être venu. Vous tombez à point nommé, les filles. C'est pas comme si on avait eu le choix. Jerry, j'espère que c'est une plaisanterie. On revient à peine de la mission la plus éprouvante de notre vie. On est fatigués, vannés, épuisés. Détendez-vous. Vous croyez que c'est facile? Vous êtes sur le point de nous confier notre mission. Oui, mais cette fois, mission, vacances. Vous ne serviriez à rien au Whoop dans cet état de stress. Donc je vous envoie au soleil. Tenez. Laissez-moi deviner, ça, c'est un gilet pare-balles pour s'échapper d'une prison en plein cœur de la jungle. Non, c'est une simple serviette éponge que l'on utilise pour se sécher. Ah, je parie que c'est une perceuse ultra rapide et ça, un type de gel explosif de quoi faire sauter un mur. Faux, c'est un parasol de plage et un écran solaire contre les brûlures. Et avant que vous me le demandiez, ceci est un pince-nez pour la natation. Génial! Et voici le kit gadget en cas d'urgence qui vous sera d'aucune utilité. Je veux être sûre de bien comprendre. Vous nous envoyez en vacances pour qu'on se détende? Que diriez-vous de Hawaï? Trop beau pour être vrai. J'ai encore une toute petite question. L'avion décolle à quelle heure? Dans une minute. Montez, j'en prie. Il est minuscule, cet ascenseur. Il nous conduit à l'avion directement? Mais qui vous parle d'avion? Un missile de croisière, c'est tellement plus rapide. Bon voyage, les filles. Je voyage jamais en missile. Votre agent de voyage envoyé par le Whoop. Vous êtes bien sûr Sam, Clover et Alex. Vos vacances sont entièrement planifiées. Julie, ça vous ennuierait d'être un peu plus naturelle? J'en crois pas, messieurs. On est vraiment à Hawaï. Dire que mon rêve le plus fou était de faire ce voyage. À deux pas d'ici, les danses hawaïennes nous attendent. J'y vais à une condition, que vous laissiez tomber votre côté pimbèche. J'aime pas danser le Tawalunga. Vous pouvez aussi vous allonger au soleil et peaufiner votre bronzage. Voilà, ça c'est le genre de travail qui me convient. Moi je veux de l'action, comme hier soir quand on dansait au son du groupe le plus génial de Beverly Hills, les Ultra Power Machines. Pardon. Excusez-moi, ma planche m'a échappé des mains. Moi, je m'appelle Alex. C'est quoi ton nom? C'est Corey. Je suis venu pour étudier les volcans avec mon professeur de sciences, ce qui est vraiment sympa, vu que mon rêve était de partir en voyage à Hawaï. C'est vrai, c'est pareil pour moi. Alors, tu dois être comme moi? Ouais, ici j'aime tout, la nourriture, les gens, la musique. Quoique je ne sois pas un fan des danses hawaïennes. Ah bon? En fait, ce que je préfère, c'est une danse dont tu n'as sans doute jamais entendu parler. Elle s'appelle le Tawalunga. Ah, c'est incroyable! Moi aussi j'adore cette danse, un coup du destin. C'est quoi ton groupe préféré? Oh, même c'est pas facile, hein. Je dois choisir parmi des centaines. Mais je crois pouvoir dire que mon préféré, c'est Ultra Power Machine! Chose de prévu, là? Non. Non, je devais juste accompagner le professeur à son camp installé en haut du volcan. Mais je ne comprends pas, il n'est pas venu au rendez-vous. Hey, est-ce que tu veux aller glisser sur les vagues? Ah oui, c'est génial. J'attendais que tu me le proposes. Le surf, c'est toute ma vie. Tu m'attends deux secondes. Il faut que j'aille dire où je suis à mes copines. Explique-moi comment on surfe. Corée, jusqu'à quelle hauteur?
Non, je dirais 3, peut-être 4. Mètres ? Oh ! Étage ! Quoi, 4 étages ? Et voilà, c'est parti ! Oh, quelle sensation! Wow! Glisse, Alex! Oh, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai jamais surfé sur une vague de plus de... plus de 9-10 mètres! D'accord! Tiens bon, Alex! Corée! Clover, au secours! Oh. Endommagé. Et Cora s'est envolé. Il était là et soudain il s'est volatilisé dans un cercle de feu. On aurait dit une éruption volcanique. Ça ne ressemble pas à du sable. C'est de l'obsidienne, du verre volcanique. Ça t'arrive de sécher sur un sujet? Hein? Cora m'a dit que son professeur s'était évanoui dans la nature. Il devait venir le chercher pour aller étudier ce volcan. Tu crois qu'il y a un lien entre la disparition du professeur vulcanologue et le départ en fumée de Cora? J'ai un mauvais pressentiment, moi. Il faut appeler Jerry. Jerry, c'est Sam. Allô? Allô? Allô, Sam? Vous m'entendez? Non, moi, pas du tout, hein. Désolé. Laisse tomber, ton poudrier a pris l'eau. Essayons les nôtres. La trousse d'urgence va peut-être nous être utile. Manuel informatique pour espionne. Entrons le mot volcan et voyons ce que ça donne. En Islande, le Whoop a un laboratoire de recherche sur les volcans. Peut-être qu'ils peuvent répondre à nos questions. L'Islande? Mais c'est très très loin, ça. Peu importe. Il faut voler au secours de Corée. Alex a raison, Clover. Notre mission nous appelle, il n'y a pas à hésiter. Coucou! Ah, Julie, nous devons aller au plus vite en Islande. Oh, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je te jure que si elle n'arrête pas avec son sourire niais, je l'étrangle. Ah, pas le missile! Quelqu'un peut me gratter le dos? Retire ton orteil de mon... Faites-vous dans notre beau pays en petite tenue, oh? Ça vous ennuierait qu'on en discute autour d'un grand bol de décaféiné bouillant? Docteur Sorensen, vous a-t-on envoyé un rapport sur des éruptions volcaniques à Hawaï? C'est très important. Oui, j'en ai reçu un hier et un autre ce matin. Les deux éruptions sont situées près d'un volcan inactif. Nous en avons déduit qu'il s'agissait d'une erreur. Si c'était bien des éruptions, notre vulcanologue, le professeur Pellet, actuellement sur place, nous en aurait informé. Le professeur Pellet? Mais justement, il a disparu depuis hier et son adorable étudiant coréen a disparu aujourd'hui dans un cercle de feu. Qu'est-ce que... Voilà qui confirme un bug dans notre système. Et s'il s'agissait de véritables éruptions? Très cher, si tous ces volcans devaient maintenant entrer en éruption, cela signifierait une destruction massive du globe. Donc on peut retourner à Hawaï en toute sécurité? Vu toutes les personnes qui disparaissent, vous n'y serez pas en sécurité. Vous avez vraiment envie d'y retourner? Oui. Je vois quelque chose là-bas. On dirait du verre. Attention, c'est instable. Tu m'as sauvé la vie, Clover. Est-ce que tout va bien en bas? Wow. T'as pas été longue à me renvoyer l'ascenseur, ça? Si Pellet était rentré tranquillement chez lui, il ne les aurait pas laissés ici. Regardez une caméra vidéo. Génial, on va pouvoir se filmer toutes les deux. N'y touchez pas. La caméra a peut-être enregistré un indice. On va rembobiner pour savoir ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a
éruptions. Et le professeur Pellet a disparu de la même façon que Corée. Quelque chose ne va pas. Si tout n'était que lave en fusion hier, comment se fait-il qu'aujourd'hui les rochers soient toujours intacts? Laisse-moi regarder. Alex, va jusque là-bas. C'est ici qu'il était? Exactement. Vous voyez cette fissure? Mais oui, là! Il n'y a pas de doute, c'est un piège! C'est... Corée? Tu vas bien? Alex, allez-vous-en, sinon vous aussi, vous allez être capturé. T'es un truc! Je reviendrai te chercher, Corée! On vient d'atteindre le centre du volcan. On dirait que ce laser géant fait bouillonner la lave. Je parie que cet endroit est relié à tous les autres volcans de la Terre. Quelle espèce de monstre a bien pu inventer ça? Je crains que ce ne soit moi. Docteur Hephaestus, pour vous servir. Mon but est de tout détruire dans un proche avenir. Pardonnez-moi de vous avoir causé une telle frayeur. Ravi d'avoir fait votre connaissance. On va pas vous déranger plus longtemps. Au revoir. Arrêtez-les, ne les laissez pas s'enfuir. Vous n'allez pas les cacher, non, Falcon. Posez ça avant de blesser quelqu'un. Prenez garde. Regardez ce que le feu volcanique a fait à mon visage. Il en fera autant au vôtre. Mon installation peut mettre tous les volcans de la Terre en éruption. Et lorsque le monde sera recouvert de lave, tous les humains de la planète me ressembleront. Vous avez de graves ennuis, docteur, mais je suis persuadée qu'il suffirait d'un bon nettoyage de peau. Vous savez, elle a raison. La semaine dernière, j'avais un petit bouton, on aurait dit une sorcière. Très juste. Pourtant, on a continué à t'aimer. Votre plan machiavélique ne marchera pas, Hephaestus. Nous vous empêcherons de le mettre à exécution. Apparemment, Hephaestus ne tient pas compte de notre avis. Nous avons presque atteint la lave et cette chaleur est désastreuse pour mes cheveux. Chaleur? Et peut-être que mon poudrier a séché. Jerry? Jerry? Oh, y a rien à faire. Sam, appelle le docteur Sorensen. Sam, est-ce que vous allez bien? Je dirais qu'on a un peu la tête à l'envers, docteur. Vous pouvez joindre Jerry? Je suis trop occupé, malheureusement. Tous les volcans de la Terre commencent à se réveiller. Il faut qu'on trouve une idée. La lave en fusion va recouvrir la planète. Sans parler de nos pauvres cheveux. Alex, donne-moi ton pince-nez. T'es drôlement forte au lasso. Dépêchez-vous, attrapez-les. J'étais sûre qu'il dirait ça. Séparons-nous. Regardez, elles sont juste là. Merci. Venez nous aider à détruire cette machine à volcan. Il faut l'arrêter immédiatement. Oui. La lave arrive presque à notre niveau. Attention, l'eau de vos pieds. Hé, vous sentez pas, il y a une odeur d'ail? C'est plutôt fort, du genre pimenté. De toute façon, ça n'a rien à voir avec de la lave. C'est de la sauce mexicaine, ça. Exact, mesdemoiselles. Hephaestus? Il n'y a jamais eu d'Hephaestus. C'est Jerry! Et vos hommes de main sont de vrais agents du Whoop? Et Corée est en réalité... Un intello? N'essayez pas de détruire la planète, mais
alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout cela faisait partie du test. Rien de ce qui s'est passé n'était réel. C'est exact. Ce faux volcan fut un jour un repère de malfaiteurs. À présent, nous nous en servons pour nos tests annuels. Alors, vous nous testiez? Est-ce qu'on a réussi? Non, la lave vous a atteint avant que vous n'arriviez à sauver le monde. En conséquence, vous allez devoir repartir en entraînement. Corée? Tu étais dans le coup, toi aussi? Moi, je m'appelle Moray, pas Corée. Alors, ta danse préférée, c'est pas le Tawalunga? Ah, je suis désolé, il y avait un micro dans ton sac de plage, je sais même pas danser. Qu'est-ce que c'est, Jerry? C'est encore un nouveau test? Non! Cette fois, c'est vrai! Génial! On perd la rencontre d'athlétisme, je tombe amoureuse d'un idiot, il manquait plus que ça! Sous le faux volcan, il y en a un vrai! Et il est en éruption! On n'aura pas le temps de dégager la sortie! On est piégés! Reculez! C'est de la véritable lave en fusion! Quelle ironie du sort! Faites attention! Oh! Si seulement on pouvait s'envoler par là! Mais bien sûr! Alex, ton parachute, tu l'as bien remis dans la trousse d'urgence! Oui, mais je vois pas ce qu'on peut en faire! Un ballon d'air chaud! Si toutefois on arrive à l'ouvrir dans le cratère! Ça, je m'en charge! Ah! C'est gagné. Merci, les filles. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité. Vous voulez toujours nous recaler? Non, vous avez réussi. Avec mention. Génial! Que diriez-vous de vraies vacances, maintenant? J'ai entendu parler de double personnalité, mais ce Moray était vraiment ridicule. Et si on oubliait Hawaï et qu'on profitait du bal? Je me demande quel thème a été choisi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez les bienvenus en Polynésie. L'hôtel Bora Bora est fier d'accueillir les éminents lauréats du Grand Prix de l'Académie des Sciences et en ma qualité de directeur de l'établissement, je vous souhaite un excellent séjour. Regardez! Oh! Ma foi, je n'ai jamais rien vu de tel, cher confrère. C'est très intéressant. Oh, ce doit être une nouvelle espèce. Ah, qu'ils sont mignons! Ah, elles ont changé de couleur! Oh!
arrivé? Où suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Qui suis-je? Nous vous rappelons que la séance de photos de classe aura lieu lundi. Faites le nécessaire pour paraître à votre avantage. Oh, je me sens pas prête du tout pour cette séance de photos. À qui tu le dis, c'est la panique, j'ai plus rien à me mettre. Est-ce que je suis plus à mon avantage quand je souris avec naturel ou quand je pose? Alors, on se lamente, les cas désespérés. Moi, je vais me faire faire une splendeur par le meilleur coiffeur du monde, inégalable Jean Edgar. Il fait fureur à Hollywood, toutes les stars se l'arrachent. Seul un grand maître de classe internationale aura le doigté nécessaire pour donner un petit plus à ma chevelure de rêve qui fait tant jalouse. Ça ne tient pas à grand-chose. Une ondulation imperceptible, un léger flou artistique. Quelle chance que l'une de vous ne soit pas inempotée. Oh, je l'ai échappé, belle. Tu m'as sauvé la vie, Sam. N'exagérons rien. Je n'ai sauvé que tes cheveux. Oh, ah, mais c'est pareil. Ils sont toute ma vie. Je te remercierai jamais assez. À partir d'aujourd'hui, on est amis. Ce soir, je passerai te chercher chez toi pour t'emmener danser dans une super boîte de nuit. Non, sans façon. Merci, Mandy. Pas la peine de me remercier. Je serai devant ta porte à 8h. Tu préfères peut-être aller au cinéma ou bien dîner dans un bon restaurant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux un café? Ce serait le moment pour un transfert surprise signé Jerry, mais faut pas rêver. Voilà ton café. Où es-tu, Sam? Bonjour, mademoiselle. Je ne vous savais pas télépathe, Jerry. Le synchronisme était parfait. Heureux d'être tombé à pic. J'ai quelque chose à vous montrer. 10 des plus éminents scientifiques de la planète étaient réunis pour un colloque à Bora Bora lorsqu'un fait étrange s'est produit. Bora Bora? C'est génial! Petit aperçu de la faune locale. Oh, est-ce qu'ils sont mignons? Ce sont des monstres! Oui, ces redoutables créatures, ces blobs ont totalement effacé la mémoire de nos savants. C'est un désastre. Votre mission sera de démasquer, de neutraliser les responsables de cette organisation dont les méfaits mettent sérieusement en danger l'avenir de notre planète. Faisons l'inventaire de votre équipement. Tout d'abord, le CAM, ou casque autonome multifonction. Il vous permettra de survivre en milieu subaquatique. Vous avez le même en rose fuchsia? Votre tenue sera complétée par les jetbots à propulsion nucléaire. Pour ce qui est des accessoires, vous disposerez d'un ceinturon spécial plongé avec grappin au titane, fusil harpon et bouton explosif intégré. Également un Portalab 2000 ou micro-laboratoire portatif. Il vous permettra de faire des analyses sur le terrain et grâce à ce manuel, vous pourrez parfaire vos connaissances en biologie sous-marine. Parce qu'il va aussi falloir qu'on étudie. Qui veut la fin veut les moyens, donc... Vous chevaucherez la moto comme Vox. C'est un bolide à commande vocale. Elle n'obéit qu'à la voix du pilote. Et cet engin est une merveille technologique. Les mots-clés sont simples. En route, plus vite, demi-tour, etc. Alors, vous donnez un ordre et elle obéit. Elle est extrêmement docile. Je vais vous faire une petite démonstration. Contact. Wow, c'est cool! Elles sont très sensibles. Elles réagissent à la moindre sollicitation. Arrête-toi! Quel bijou! Jeune fille, le temps presse, vous partez pour Bora Bora? Ah non, je peux pas partir tout de suite. Pourquoi, Clover? Parce que j'ai oublié mes nouvelles lunettes de soleil. Est-ce que t'en as vraiment besoin? Vous ne croyez tout de même pas que j'irai sous les tropiques sans mes nouvelles lunettes de soleil? Au fait, comment vous les trouvez? Nouvelles, ça te va comme commentaire? En route. Tammy, c'est Mandy, t'es là? Oui. Alors, prête pour aller danser? Ah oui, pour aller danser. Désolée, je ne vais pas pouvoir venir. J'avais promis d'aller rendre visite à ma grand-tante qui est malade, je regrette. Bah, les grandes-tantes malades, j'ai toujours eu horreur de ça. Mais je vais faire un très très gros effort par amitié. Je vais t'accompagner chez elle. Si tu te sacrifies, je me sacrifie aussi. Ah non, pas question, elle a attrapé un truc très très rare et particulièrement contagieux. Elle souffre de multinucléose anarchique. Je veux pas que tu t'y exposes, il faut absolument que tu t'en ailles. Salut! C'est l'endroit exact où les scientifiques se sont fait brutalement agresser. Jouer les touristes en bikini, c'est la couverture idéale quand il faut passer incognito. Vous laissez pas aller, n'oubliez pas qu'on est venu pour faire une enquête. On a bien le droit de se bronzer un peu et de travailler en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Oh, c'est gluant. Oh. Ah, du jus de blob, c'est dégoûtant. Non, attends, c'est un indice. «
La substance qui constitue le corps des blobs n'est pas organique. Elle est chimique, quelqu'un les a donc fabriquées. Je transmets ces données à Jerry pour qu'il fasse des analyses plus poussées. Et nous allons voir dans quel état sont les savants. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Où suis-je? Maman, je me suis cogné. Bonsoir, je m'appelle Clover. Cette année, j'ai pris l'option biologie au lycée. Quand vous aurez retrouvé la mémoire, vous pourrez m'aider pour mon contrôle de fin d'année. C'est quoi la biologie? Ça se mange? C'est un dessert? Écoutez bien, monsieur Hannigan, et je ne le répéterai pas. Vous avez jusqu'à demain matin pour réunir $1 million et le déposer dans la crypte de la mort noire. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez amèrement. Jamais je n'aurais pu imaginer ça, même dans mes pires cauchemars, c'est atroce. Et Sam Rectification, voilà ce que tu n'aurais pu imaginer même dans tes pires cauchemars. Salope, pour une surprise, c'est amusant cette coïncidence. Je tiens à avoir la peau d'une jolie couleur panépice pour la photo. Je suis aussi pâle qu'une meringue. Et Bora Bora a toujours été l'endroit que je préférais au monde quand il s'agissait de bronzer. Mais j'y pense, comment va ta tante multinucléose? Tante qui? Oh, elle est en voie de guérison. Elle va mieux, oui, beaucoup mieux. Mais c'est génial, alors on n'a plus besoin de s'inquiéter pour cette bonne vieille tantine. On va enfin pouvoir s'éclater ensemble comme le font les vrais amis, d'accord Sam? Au fait, pour quelle raison êtes-vous venues ici toutes les trois? C'est ça? Oui, banal. On a été engagés comme prof de danse par le directeur de l'hôtel. Oh, cette scène est vraiment navrante. J'ai jamais rien vu d'aussi pathétique et grotesque de toute ma vie. Mandy va lui faire un bon grand cadeau. Bonne nuit, Sam. Rendez-vous au centre-ville demain, on fera les courses. Et un conseil, arrange-toi pour larguer ces deux boulets. Bonne soirée. Tu vas suivre le conseil de ta nouvelle meilleure amie. Arrête, c'est pas mon amie, Alex. Je cherche un cavalier pour le bal. Clover, ça suffit. Maintenant qu'on a déposé l'argent, on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un apparaisse. Vous me le direz quand vous verrez ce quelqu'un à l'horizon. Tu peux interrompre ta séance d'UV, Alex. Oh, déjà? Ils sont que deux. Ça s'annonce facile. Ouais, très facile, trop facile même. Vite! Quelle agression! C'est très mauvais pour ma peau! Il faut les rattraper! Contact! Contact! Allez! Contact! On n'arrivera jamais à les rejoindre! Essayons! Passons à la vitesse supérieure! À 3! 1, 2, 3! Plus vite! Mode supersonique plein! Félicitations, vous avez gagné un cadeau. Sam! Ça va, Sam? Sam! T'as
passé? Ça va, Samy? Ça fait une heure que je te cherche partout. Regarde le ravissant petit bustier en soie que j'ai trouvé dans une boutique. Tu vas avoir l'air d'une déesse en violet, non? Bonjour, on se connaît? Qui êtes-vous? Oh non, elle a été blobée! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a été blobée, c'est quoi ça? On est en train de s'amuser, c'est un jeu. Et le jeu s'appelle justement Qui êtes-vous, c'est son nom. Qui êtes-vous? Ça m'est excellente, elle gagne toujours. Moi aussi, je vais y jouer. Ah, d'accord, si ça te fait plaisir, alors tu pourras participer à la seconde manche. Mais elle se dispute en jet ski, c'est la règle. C'est vrai, la seconde manche se dispute toujours en jet ski. Alors va vite en louer un et rejoins-nous à la marina. En jet ski, c'est original. En route. Ciao. En route. Jerry, Sam a été attaquée par un blob. Elle est devenue amnésique. Elle n'est en sécurité qu'auprès de vous. Alors ne la quittez pas des yeux. Par ailleurs, j'ai du nouveau pour votre enquête. L'analyse des résidus de blob nous a permis de remonter jusqu'à un certain Lester Crawley. C'est un technicien de surface? C'est la fonction qu'il a occupée à l'Institut océanographique pendant un certain nombre d'années. Mais il rêvait d'être un grand scientifique. Alors il a procédé à des expériences. La nuit, il essayait en secret de mettre au point un remède contre l'amnésie en testant ses formules sur des créatures aquatiques. Il a fini par être démasqué et arrêté. Hein? Mais il s'est échappé et a disparu avec des millions de dollars de matériel scientifique. Retrouvez-le et neutralisez-le rapidement. Bonne chance, les filles. Il voulait devenir un grand chercheur en biologie sous-marine. Je crois savoir de quel côté nous devons chercher. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? J'y comprends rien du tout. Tu t'appelles Sam, intègre déjà ça. Sam? Je suis un garçon alors? C'est le diminutif de Samantha, tu es une fille. Le sonar a repéré une masse dans les profondeurs. Fermeture hermétique des casques. Plongez! T'es sûr que ces engins peuvent t'amérir? Bien sûr! Ce doit être le laboratoire de recherche sous-marine de Lester Crawley. On a déjà franchi une étape. À quoi ça sert? Comment on va entrer? Il y a des façons plus raffinées d'entrer par effraction, mais c'est la plus efficace. Qu'est-ce que je suis censée faire? Chut! Je vais retourner chez moi. Oh là là! D'ailleurs, c'est où chez moi? Je trouve pas ça drôle du tout. Nous allons pouvoir aborder la dernière phase de mon plan. Ma vengeance réduira l'humanité à néant et le monde retournera au chaos. Ce sera un désastre universel. Toutes les mémoires de la planète tiendront dans ma main. Il faut faire demi-tour discrètement, puis on reviendra le capturer, mais avec des renforts. Hé hey, qu'est-ce que c'est? Vous là, en blouse blanche. Vous savez qui je suis? Emparez-vous d'elle. J'ai fait une bêtise en lui posant cette question? À première vue, vous me semblez intelligente. En conséquence, je pense que vous serez à même d'apprécier l'ingénieux processus de fabrication de mes blobs. À peine sortis de leur moule, ils se dirigent vers la personne la plus proche et se jettent à sa tête pour aspirer sa mémoire. Je n'ai pas le temps d'y assister, mais j'espère que vous trouverez cette démonstration intéressante. C'est quoi ça, hein? C'est un rituel initiatique pour rentrer dans un club privé? Devoir dire ça un jour, mais merci Mandy. Comment ça se fait que vous soyez attachés? On joue toujours à la même chose, à qui êtes-vous? Non, c'est vrai. Bah dites donc, il est drôlement élaboré votre truc. Ah! Ah!
mais c'est un jeu où l'on doit improviser tout le temps. C'est la règle. Qu'est-ce qu'on fait pour Mandy? Elle se débrouillera, on n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Elle court aucun danger, de toute façon l'essentiel c'est qu'elle ne nous suive pas. Dans moins de 2 minutes, nous atteindrons New York. Je m'attendais à ce qu'il y ait des gardes dans cette salle. Ah. Oh, ah. Bien vu, j'avais raison. Ah. Oh. Oh. Ah. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Je cherche un petit sac en papier parce que j'ai très mal au cœur et je voudrais éviter de tout salir. C'est bon, Crowley, ce petit jeu a assez duré. Demi-tour, retour à la case départ. Avant que quelqu'un m'explique les règles une bonne fois pour toutes, je voudrais avoir une chance de gagner, moi. Il faut agir vite. Trouvons le moyen de détruire les blobs stockés dans les bocaux. Si on arrivait à bloquer cette machine, peut-être qu'on réussirait à... C'est dur. La manette est trop loin. Il faudrait quelque chose de plus long que mon bras. Mais... à l'aide, au secours, Sam. À l'aide. Oh non. Pas ça. Excusez-moi de vous interrompre quelques secondes. Je suis vraiment désolée. Je vois bien que vous êtes occupée à maîtriser ce créateur de mollusques malfaisants. Mais vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un aux commandes de cet engin? Parce qu'on chute, là. Oh, oui, c'est moi. Me dégager de cette machine infernale, mais... Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. J'ai sauvé tes cheveux, mais on n'est pas amis pour autant, c'est clair? Crowley, vous allez rendre à Sam toutes ses facultés. Passez-moi le truc où vous stockez la mémoire des gens. Quoi? Hein? Alors Sam, est-ce que tu sais qui t'es? Je m'appelle Sam et on travaille pour une agence de renseignement ultra secrète, le Whoop. Mais pourquoi vous me posez cette question ridicule? Vous avez l'air fatigués, hein, toutes les deux. Ah oui, la journée a été assez éprouvante. On n'a pas arrêté une minute. On a retrouvé notre Sam. Alors on a réussi à démasquer le cerveau de l'affaire? Le Whoop a transmis des infos sur les résidus de blob? Salut Mandy, est-ce qu'on a... c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Oh non, c'est pas croyable. Alors comme ça, vous êtes des espionnes. Ce qui m'est arrivé génial, génial. Quand je vais raconter ça à tout le monde au lycée, je vais avoir un succès. Attention, là on a un sérieux problème à régler. Et aussi la solution. Par chance, on a pu effacer la mémoire du passé immédiat chez Mandy. Elle se rappellera pas que nous sommes enfin nous, quoi. Ouais, c'est bon de la retrouver telle qu'on l'a connue, ça m'aurait manqué à la longue. Et les filles, pourquoi est-ce que vous tenez tant à figurer sur la photo? Le seul fait que je sois au-dessus de vous suffira à ternir votre éclat. La lumière est bonne, la mise au point est au point, et attention, hein, c'est la perfection incarnée que vous allez immortaliser. Il a l'air nul, j'aurais dû écouter mon instinct et amener mon photographe personnel. Oui, Speedy! We'll be right back.
Qu'est-ce que vous en pensez? Mélange réussi, ça ferait un très joli fard à paupières. T'es hors sujet, je te signale à tout hasard qu'on n'est pas dans un salon d'esthétique, mais dans un cours de science. Je vais avoir une bonne note à cet exercice. Voilà qui va nous permettre de briller sur un terrain plus valorisant à mon goût que celui des résultats scolaires. Oh, c'est super, le lycée organise une grande fête pour Halloween. Avec un concours de déguisement. Et c'est quoi le premier prix? Un choix de 3 tenues complètes avec accessoires assortis chez un grand styliste? Oh, je regrette de devoir anéantir tous vos espoirs de réussite, mais je vais gagner ce concours, alors épargnez-vous des efforts inutiles. Pour gagner? Pas dans ce costume, en tout cas, t'auras aucune chance. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, quel costume? Cette robe, elle fait un peu reine d'un jour, mais d'un jour quelconque, des années 70. Tu l'as dénichée dans une brocante ou dans une usine qui écoulait ses fins de stock? Regarde, Alex! Attention! Bonjour. Auriez-vous découvert une formule magique par inadvertance? Bon, alors passons aux choses sérieuses. La nuit dernière, un éminent savant a été enlevé dans un laboratoire militaire. Regardez son ravisseur. Oh, c'est pas banal! D'où sort ce cavalier? Cela reste à déterminer. Ce scientifique est la troisième victime d'une série d'enlèvements pour le moins bizarre. Et qui sont les deux victimes précédentes? Un général des armées et un expert en système de sécurité. Et tous travaillaient au même endroit. Jerry, c'est passionnant, mais on est un peu pressé. On doit aller au centre commercial choisir nos costumes pour Halloween. Pourriez-vous nous faire grâce de détails et entrer dans le vif du sujet? Et quelle sera notre mission? Bien, avant de vous procurer vos déguisements, je vous charge de découvrir pourquoi et comment ce cavalier masqué a enlevé ces trois experts en stratégie militaire. Et évidemment, de le neutraliser. Fais une croix sur le concours d'Halloween, Clover, ça va être juste. Vu la difficulté de l'énigme à résoudre, c'est pas cette année qu'on pourra enlever le premier prix à Mandy. Mais si, je peux faire les deux. Vous trouverez dans ces sacs à dos des gadgets très utiles. Dont une paire de sandales à semelle trampoline, un fer à friser laser, un parapluie tout en ultra solide et discret, un skateboard volant automatique, un tube de mascara équipé d'une fine brosse extensible et enfin, pour parfaire le tout, une paire de gants camouflant trois redoutables griffes rétractiles. Il conviendrait tout à fait à Mandy. Et n'oubliez pas de pousser votre cri, Banzai. Banzai. Depuis environ un an, notre équipe travaille au perfectionnement d'une nouvelle technique, un rayon laser adapté aux besoins militaires. La fusion interne nucléaire, plus communément désignée aujourd'hui par ses initiales, la FA. Bien trouvé, c'est génial. Je veux dire, c'est très intéressant. On a remarqué, d'après la vidéo de surveillance, que le ravisseur avait également volé votre invention, la FA. Si son objectif est de l'utiliser pour son propre compte, je peux vous assurer qu'il va être très déçu parce que cette arme n'obéit qu'aux commandes de ce détonateur. Il la contrôle. Sans lui, elle est inutilisable. Chute vertigineuse. Où est-ce qu'on a atterri? Aucune idée, mais à première vue, on n'est pas à Beverly Hills. Oh non! Encore un parc d'attractions avec des châteaux hantés. Oh! Il va nous échapper, il faut le suivre. Tenez, à titre de garantie. Allez! La délicatesse d'un cheval de trait. Aidez-moi à combattre les forces du mal. Des sorcières veulent me jeter un sort. Quoi? Des sorcières? Des sorcières? Il y a des sorcières! C'est un malentendu, on n'est pas des sorcières, on vient de Beverly Hills. C'est notre devoir envers notre bien-aimé souverain que de débarrasser le pays des sorcières. Et l'endroit d'où vous venez, on le connaît pas. Aucun de nous n'a jamais entendu parler de cette contrée. Vous inquiétez pas, hein, je reviens. Bon, allez, avance-toi. Décidément, ça se passe jamais comme on l'a prévu. On a réussi à échapper à ces sauvages, c'est déjà ça.
va sortir du puits avec nos sandales à semelle trampoline et on va retrouver Clover. Oula oula oula, arrête, pas bouger, hein. T'entends, j'ai dit stop. Allô? Tiens. Allô, Jerry, il y a un ennui majeur, on sait pas du tout où on est. Accordez-moi une petite seconde, je vais vous dire ça tout de suite. Je vous ai localisé par satellite. Bon, les données sont confondantes. Elles vous situent quelque part en Angleterre et seule la date est précise. Vous êtes en 1136. Quoi? J'aurais dû m'en douter. Un cavalier en armure, des accusations de sorcellerie, des gens mal habillés qui ne connaissent pas Beverly Hills. C'est ça? C'est l'évidence! On a atterri en plein cœur du Moyen-Âge! Oh, misère! Jerry, comment on va faire pour revenir, vu qu'on ne sait même pas comment on est arrivé là? Je vais m'efforcer de trouver la solution. Essayez de faire vite, s'il vous plaît. Sortez-nous de ce cauchemar moyenâgeux. Ramenez-nous à la civilisation. Clover, vous êtes toujours là? Je vous souviens plus. Allô, Clover? Non, revenez, Jerry, je peux terminer! Oh, ce soir, je dois aller à la fête d'Halloween. Mais entre un petit retard et être porté disparu, il y a tout de même une différence. Allez, Ah bah d'accord, il n'y a pas de chevalier servant quand on en a besoin, il faut tout faire toute seule. Ouais! Ah, Jerry n'a pas choisi la meilleure qualité, le mascara est visqueux et coulant. Banzai! On ne peut pas te demander, je reconnais qu'il est très résistant. Ces grosses brutes vont jamais nous lâcher! Vite, cache-toi, Alex! Vraiment pouvoir dévaliser le trésor de notre roi bien-aimé sans en payer les conséquences? Mais j'ai jamais rien dévalisé, mis à part certaines boutiques au moment des soldes. Vous commettez une erreur judiciaire! Vous allez apprendre à vos dépens que le brigandage est un crime de lèse-majesté dans ce royaume. Pourquoi j'ai le sentiment désagréable que la situation va empirer? Vite, brisons nos chaînes avec le fer à friser laser. Quelque part. Cette ruine doit être un donjon futuriste. Les otages. Les choses s'éclairent. C'est grâce à ce matériel qu'il peut remonter le temps. Enfermez-le avec les autres. Ah, mauvaise cachette. Relâchez-moi tout de suite ou je hurle. Je n'ai jamais rencontré de jeune fille comme vous. Ça n'a rien d'étonnant. Je ne pense pas qu'on ait eu de grandes chances de se croiser à Beverly Hills. Vous avez raison, je préfère les plages de Malibu aux collines d'Hollywood. Je vois, vous n'êtes pas un pur produit du Moyen-Âge, vous. Vous êtes intelligente, assez. Vous avez le sens de la mode. Je ferai de vous une charmante reine quand je monterai sur le trône d'Angleterre. Moi, reine?
Et c'est légitime. J'ai le droit d'y prétendre parce que je descends d'une lignée royale. Et à cause d'un petit roi Tlès sans envergure du Moyen-Âge, ma famille s'est vue dépossédée de son trône et de toutes ses richesses. Je suis sincèrement désolée pour vous. Je n'ai que faire de votre pitié parce que je suis parvenu à me procurer deux cristaux, des armes de choix. Et je suis revenu du futur pour renverser cet usurpateur, reprendre les rênes du pouvoir et changer le cours de l'histoire. Et lorsque je serai enfin roi, vous serez ma reine. Non, pas ça, je refuse. Vous prenez pour qui? Gardez vos distances, je vous interdis de m'approcher. C'est quoi ça? C'est quoi ce que vous faites? Je vais utiliser la force de la faim pour détruire le château du roi Tlès et reprendre le trône qui m'était destiné. Et lorsque j'y serai parvenu, je régnerai en maître sur la terre entière. Vous voyez grand? J'avais entendu parler des pluies acides, mais des pluies de feu, jamais. Souhaitons que le parapluie tout temps de Jerry résiste à ce genre de perturbation atmosphérique. C'est agréable comme moyen de locomotion. Vous qui avez ramené du futur tout un arsenal militaire, vous auriez tout de même pu penser à revenir avec un 4x4. Mais c'est Clover! Chose pour sauver Clover. Oui, mais ça va pas être simple parce qu'ils sont tous les deux protégés par une espèce de champ de force. Cette couronne, ou bien je détruis ce qui reste du château, j'anéantis le village tout entier, et par la même occasion, je vous réduis en cendres. Lâchez cette épée. Vous n'êtes pas de taille à m'affronter, ni à me résister d'ailleurs. Un roi regagne sa couronne ni par la puissance d'un armement sophistiqué, ni par la menace. Il la doit au peuple qui veut marcher derrière lui parce qu'il l'aime. Et je doute que quiconque ait envie de vous suivre. Cause toujours et donne-moi la couronne. Vite, parce que si tu me fais perdre patience, je te fais rôtir. Plus besoin de moi, je m'éclipse, hein. J'ai un tas de choses à faire. Garde! Enfermez-le dans le donjon et faites transporter mon matériel et mes autres prisonniers dans ma nouvelle demeure. Pas si vite, princesse. Je vous réserve une prison digne de votre rang pour la durée de nos fiançailles. On n'a pas de champ de force pour se protéger, mais ces gants ont un pouvoir de dissuasion. Allez, viens, Alex, on se lance. Très jolie, cette robe vous va ravir. Elle a l'air d'être sortie d'un vieux coffre moisi. Mon nez confirme, elle en a aussi l'odeur. Il va falloir que vous changiez d'attitude, mon ange. Parce qu'une reine doit respect et obéissance à son roi. Parfait, vous êtes ravissante. Vous n'arriverez pas à vos fins, vous n'aurez pas ce royaume. J'aurai même davantage, car avec les armes que je possède, j'étendrai mon règne à la terre entière. Et quand je serai de retour dans le futur, je serai milliardaire. Ils n'ont pas encore intégré la notion de confort, c'est plus dur de marcher dans ces boîtes de conserve qu'avec des talons aiguilles. Dis-moi une, on a eu chaud. Regarde où on est. Ça ressemble à un poste de surveillance. D'où vous venez? Laissez-moi tranquille, allez-vous-en! Détends-toi, Clover, c'est nous! Oh, je commence à en avoir assez, vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai enduré! Ce malade veut que j'apprenne à jouer de la harpe, à faire de la broderie et me faire manger du gibier faisant des... C'est un barbare! Moi, j'ai l'impression qu'il a des idées en tête franchement plus graves et même plus dangereuses. Oh oui, crois-moi, il lui manque une case, il a décidé de faire de moi sa reine, tu te rends compte? Et quoi d'autre?
Il utilise des cristaux pour remonter le temps. Son but est de changer le cours de l'histoire pour modifier les données du présent et régner sur toute la planète. Il faut l'empêcher d'agir, mais comment? Apparemment, ce sont les cristaux qui contrôlent le système. Si on arrive à les détruire ainsi que tout son équipement, il sera court-circuité. Demandons à Jerry ce qu'il en pense. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro? Il n'est pas en service? À quoi? C'est à croire que Jerry et le Whoop ont disparu, c'est fou? Mais si le Whoop a disparu, ça veut dire qu'en modifiant le passé, le cavalier a déclenché des réactions en chaîne qui ont également changé le futur. C'est une catastrophe! Ça implique donc forcément que Beverly Hills n'existe plus, c'est l'horreur! Il faut que tout redevienne exactement comme avant, sinon j'aurais aucune chance de battre Mandy au concours d'Halloween! Quoi qu'il arrive, tu perds pas l'essentiel de vue. Il faut agir vite. Allons-y! Cette barrette devrait faire l'affaire. C'est marrant, quand on voit ça à la télé, ça a toujours l'air facile. Oui, ça a fonctionné. Maintenant, il faut neutraliser la fin. Tu sais où elle est? Regardez, elle est là. Ce royaume est à moi et personne ne le contestera. Je suis le roi. À votre place, hein? On serait pas aussi sûr. Cette arme fait des ravages. Il faut arrêter ce désastre avant que le pays soit détruit. Il vient par ici, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos sacs à dos. C'est le moment de surfer. Chose à faire avant de retourner vers le futur. Sam, oh. Alex, attention derrière vous. Pas dans le dos, c'est pas loyal. Quant à vous. Oh, laissez-moi partir. Pas question de vous laisser en liberté dans ce siècle, ni dans un autre d'ailleurs, c'est terminé. La couronne revient à qui de droit? Les sorcières veulent s'emparer du royaume! Au guichet! Au guichet! Et c'est d'ensorceler le roi! Arrêtez! Vous faites erreur, ce ne sont pas les sorcières! Les cristaux, Clover, fais vite, utilise les cristaux, c'est notre seule chance! Oh! Donne ça! Jerry. Tout est redevenu normal, tout est comme avant. Et cette affaire est réglée, mission accomplie. Félicitations les filles, bon travail. Je me demande si j'aurai un jour l'occasion de revoir ce jeune roi si séduisant. Le deuxième prix a été attribué à Arnold pour son costume de tableau des éléments chimiques. Attention les filles, ça va être à nous. Et enfin, le premier prix a été décerné à Mandy pour son déguisement de sorcière façon Beverly Hills. Je ne m'y attendais pas du tout, il y a tellement de gens que j'aimerais remercier, à commencer par moi-même pour mon propre soutien, et puis moi-même pour avoir eu cette idée géniale. J'exige un recomptage des voix. Quoi, c'est vous qui constituez le jury? Maîtrise-toi, Clover, ne sois pas mauvaise perdante. Regardez les choses en face, vos costumes ne font pas assez authentiques. Eh ben attention, ce sont deux clones de Mandy, il suffit de les regarder pour savoir qu'elles confondent pacotille et authenticité. Quelle journée ratée, tu paries qu'il nous arrive encore une tuile? Non, au contraire, j'ai soudain l'impression que les choses vont beaucoup s'améliorer. Bonsoir, vous m'accordez cette danse? Oui, avec plaisir. Je croyais que le chapitre des rois serait clos après cette journée. La vie réserve des surprises et tu sais ce qu'on dit? Jamais 203. Oh, oh. We'll be right back.
C'est moi qui vais avoir le rôle. Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges, aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment, moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante. Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation? Mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment? Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette, Clover est mon amie et je... Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Non, arrêtez, vous êtes censées être amies, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte, et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Ah!
Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons aux gadgets. Vous aurez cette semaine à votre disposition des chaussures avec lanceur de fines d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteur thermique, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin, de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Quoi? Ça nous fera deux contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire. Il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle. Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Oh, évidemment, c'est tout moi, ça, le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? L'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. C'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. Deux personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon? Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît? Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces deux enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme! On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause. Notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths? C'est dingue! Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi, quoi? Qui te traite de pauvre pomme, traîtresse? Hé, les filles! Regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant.
Bah alors, vous dites rien. Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre. On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins, tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, hey, regardez ça. Oh, oh. Ah. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Oh. Attention, partez vite. À nous de jouer. Un sac à dos propulseur. T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Hein? Tu voulais dire il faut qu'on court. De mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam. Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12118 Marmalade Street. Mais c'est... près de chez moi? Hein? C'est la maison voisine? Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis deux semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère, tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord, puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Je t'avais dit.
Pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. Oh hein? On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de z y est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelques temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde. Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Tu réussiras peut-être à passer à travers. Oh. Oh. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sortis. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oh, oui, on aurait pu, peut-être. Oui, bien sûr, c'est ça. Pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hé, hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Film d'horreur, je refuse d'intervenir. Hey, regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ses interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam, t'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam. Tu as bondi sans hésiter, tu m'as sauvé la vie. Sans parler de ma combinaison. C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Samy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux! J'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette! Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables! Il va pas tarder à commencer! Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié! Et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout. Notre copie va être nulle. Ne vous inquiétez pas, on se détend. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio. On sait rien sur Cro-Magnon. Waouh, qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est
pas compliqué. Je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Ah. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale vol.